Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu un petit échauffement. Donc, on va dans un premier temps faire un peu de souplesse de manière générale et ensuite on fera un peu de préparation en utilisant une ceinture. Donc, on va commencer. Alors, moi j'ai mis des séquences de 15 secondes, 10 secondes, mais après vous pouvez augmenter ou réduire, c'est comme vous voulez. Donc, on va démarrer par l'exercice. Donc on est prêt, donc moi je mets le timer et pendant 15 secondes, je vais incliner le buste bien droit comme ceci sur les côtés. On assouplit un petit peu les obliques, on étire un peu le grand dorsal. Ensuite, on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre. On peut faire deux tours et changer de côté. C'est parti. Ensuite, on va prendre la ceinture comme ceci, la tendre et on va incliner le buste vers l'avant. C'est parti. Comme ceci. Ensuite, on va faire passer la ceinture derrière comme ceci, dans le sens, comme ceci. Et puis dans l'autre sens. C'est parti. Ensuite, on va faire des rotations. Ceci. Ensuite, on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions. Comme ceci. Ensuite, on va passer devant la ceinture, puis derrière. Comme ceci. Hop. OK. Donc là, on va faire un deuxième tour pour la souplesse. On assouplit un petit peu les obliques, on étire un peu le grand dorsal. Ensuite, on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre. On peut faire deux tours et changer de côté. C'est parti. Ensuite, on va prendre la ceinture comme ceci, la tendre et on va incliner le buste vers l'avant. C'est parti, comme ceci. Ensuite, on va faire passer la ceinture derrière comme ceci. Dans le sens, comme ceci. Et puis dans l'autre sens. C'est parti. Ensuite, on va faire des rotations.
comme ceci. Ensuite, on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions. Comme ceci. Ensuite, on va passer devant la ceinture, puis derrière. Comme ceci. Hop. Ok. Donc maintenant, on va passer à la partie prépa physique. Alors, bras fléchis, ça rappelle la garde. Change de côté. La garde judo, hein. Ensuite, on va courir. Donc, comme ceci. Hop, et là, à reculons. C'est parti. Ensuite, on va faire cloche-pied en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pieds joints. D'avant arrière. Ensuite, on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion. Comme ceci. Ensuite, on va faire un saut et faire un pivot pour faire un Thai Sabaki. Comme ceci. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va se mettre en position à quatre pattes, position haute, il va faire des allers-retours. Voilà. Ensuite, on va faire le crabe. On va se déplacer à quatre pattes, mais sur les côtés. Ensuite, on va faire le lapin. Donc, c'est les mains au sol. Et on fait glisser. Pas en retour.
Ok. Ensuite, on va faire la grenouille. non, pardon, les petits bons. Donc, on va être comme ceci, main à la taille. Et on va faire des slides vraiment petits bons. Et pour terminer, on va faire l'araignée. On va se déplacer comme ceci. Quand on arrive au bout, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez poser les fesses, et revenir. Voilà, premier tour terminé. Donc, on repart pour un autre tour. Alors, bras fléchis, ça rappelle la garde. Change de côté. La garde judo, hein. Ensuite, on va courir. Donc, comme ceci. Hop, et là, à reculons. C'est parti. Hein? Ensuite, on va faire cloche-pied en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pieds joints. D'avant arrière. Ensuite, on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion. Comme ceci. Ensuite, on va faire un saut et faire un pivot pour faire un Thai Sabaki. Comme ceci. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va se mettre en position à quatre pattes, position haute, il va faire des allers-retours. Voilà. Ensuite, on va faire le crabe. On va se déplacer à quatre pattes, mais sur les côtés. Ensuite, on va faire le lapin. Donc, c'est les mains au sol. Et on fait glisser. Pas en retour. Ok. Ensuite, on va faire la grenouille. non, pardon, les petits bons. Donc, on va être comme ceci, main à la taille, et on va faire des slides vraiment petits bons.
Et pour terminer, on va faire l'araignée. On va se déplacer comme ceci. Quand on arrive au bout, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez poser la fesse, les fesses, pardon, et revenir. Et voilà, deuxième tour terminé.